Salut tout le monde, je suis Angoun et je suis ravie de passer une heure en votre compagnie pour vous présenter les e-classements. Comme chaque semaine, vous allez découvrir quels sont les 50 tubes que vous avez écoutés sur les plateformes d'écoute et des téléchargements légaux. Je vous ferai aussi partager mon artiste coup de cœur et découvrir le top album de la semaine. Ça y est, vous êtes confortablement installés? Ça tombe bien, le e-classement commence maintenant. Voilà pour les artistes qui ont quitté le e-classement cette semaine. Il est temps à présent de découvrir celui ou celle qui se cache à la 50e place. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Comme dit le dicton, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est donc avec un immense plaisir que je vous présente le clip de mon dernier single, Je partirai. Bien sûr, j'espère que vous allez apprécier parce qu'il est très très beau. Donc regardez. Y a-t-il des bouleversements cette semaine dans le top album? Pour mettre fin au suspense, je vous propose de vous faire découvrir les 5 albums que vous avez classés aux premières loges du e-classement. Mon coup de cœur de la semaine est une chanteuse française, rousse et qui cultive le mystère comme personne. Avez-vous une idée de qui je veux parler? Eh oui, vous l'avez deviné, mon coup de cœur n'est autre que Mylène Farmer. Je souhaitais vous faire écouter Lonely Lisa, le troisième extrait de son dernier album Bleu Noir. Pour l'anecdote, ce morceau est produit par Red One, connu également pour avoir travaillé avec Lady Gaga. Eh oui, rien que ça. Tout de suite, je vous laisse découvrir son superbe clip dans lequel Mylène porte des tenues signées de Jean-Paul Gaultier. Regardez. On arrive dans le sprint final de ce e-classement. Quels sont les 5 heureux élus qui vont avoir le privilège de se partager le haut du tableau et qui se verra sacré numéro 1 cette semaine? La réponse en image. Avec tous ces bouleversements, vous ne savez plus où donner de la tête? Rassurez-vous, j'ai ce qu'il vous faut pour vous remettre les idées au clair. C'est le recap du top 10. Voilà, le moment crucial est arrivé et le numéro 1 du e-classement de cette semaine est à nouveau... Mika avec Elle me dit. C'est son premier single en français et il cartonne actuellement dans tout l'Hexagone. Son prochain album sortira quant à lui début 2012, mais trêve de bavardage. Voici tout de suite votre numéro 1, Mika. Le e-classement s'est terminé pour aujourd'hui. Ce fut un réel plaisir d'être en votre compagnie sur cette émission. Continuez d'écouter de la bonne musique, mais surtout n'oubliez pas de plébisciter vos artistes préférés sur le net, car c'est vous qui faites et défaites les e-classements. Je vous souhaite un excellent week-end. Bye! Les effets. Oui, j'adore faire la gigue.